Bienvenue au refuge Repère des Furets. Ce refuge est dédié uniquement aux furets. Nous prenons en charge tous les furets trouvés ou abandonnés sur les pays de la Loire, mais également sur le reste de la France quand nos familles d'accueil sont débordées. Ce refuge fait partie de l'association Il court, il court le furet, une association nationale avec une trentaine de familles d'accueil. Créé en 2018, le refuge du Repère des Furets a déjà accueilli plus de 100 furets. Ce sont 100 furets qui ont aujourd'hui une nouvelle vie auprès de leur famille et de l'amour à volonté. Les familles nous confient volontairement leurs furets au refuge quand ils ne peuvent plus s'en occuper, ne veulent plus s'en occuper pour X ou Y raison. Les furets sont souvent délaissés, parfois mal nourris, dénutris, amaigris, affamés. Ils sont souvent en manque d'attention, en manque de soins. Ils sont parfois agressifs, mordeurs. Après tous ces soins et une bonne alimentation, ils redeviennent très vite adorables. Ils sont très joueurs, ils sont vifs, ils ont besoin de toute notre attention. Nous veillons au quotidien à leur bien-être avec les soins vétérinaires, des gamelles riches et variées, mais également un extérieur entièrement sécurisé, donc un grand jardin avec de nombreuses cachettes et tunnels, des balades en extérieur en harnais quand la météo le permet, de nombreux bénévoles qui viennent jouer avec eux, les divertir, les sociabiliser aussi afin qu'ils soient habitués à différentes personnes. Nous faisons tout ce qui est possible au refuge pour leur redonner l'amour qui leur manquait, beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de jeux, de divertissement, d'enrichissement, et puis bien sûr les soins vétérinaires indispensables. Dès leur arrivée au refuge, les furets voient notre vétérinaire, ils sont identifiés, vaccinés et stérilisés. Cela leur permet d'être vraiment bien dans leurs pattes avant leur adoption. Nous privilégions les adoptions locales, régionales, mais nous faisons également des adoptions sur le reste de la France grâce au covoiturage.